On a vu Laetitia Bléger, la Miss France 2004 au Rallye des Gazelles, mais aussi sur le tapis rouge du Festival de cinéma. Pour les 15 ans, Marrakech a voulu faire profiter de ses atouts touristiques à Laetitia, qui entre deux shootings de mode pour le couturier Christophe Guillarmé, s'est vue balader dans les rues de cette ville aux mille charmes. C'est quand même génial, c'est une chance d'être là. C'est la première fois que je viens au Festival de Marrakech, c'est vrai. Ouais. Et je suis très heureuse d'être ici. J'adore le Maroc, j'y viens tous les ans, j'ai participé 4 fois au rallye Aïcha des Gazelles. J'y viens aussi en vacances avec mes parents, j'ai fait des stages de pilotage ici. Moi j'adore ce pays, je me demande si j'étais pas marocaine dans une autre vie. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir porter des robes de princesse grâce à Christophe Guillarmé. Et bah, c'est toujours un plaisir hein, de faire le tapis rouge d'être... comme une princesse pendant quelques minutes. En janvier, je commence le tournage d'un film marocain, 100% marocain, équipe marocaine. C'est un magnifique film de Raouf Sebaï. C'est un tournage qui durera entre 5 et 6 semaines. Un road trip, on va traverser le Maroc et c'est un quasi huis clos dans un bus avec des tas de personnages différents. Et c'est un beau film sur la tolérance et ça va être un beau voyage. Donc c'est les contacts que tu as pris ici ou que tu avais pris avant peut-être? Non, en fait, c'est grâce à un ami qu'on a en commun entre Raouf et moi, un ami comédien qui s'appelle Karim Saïdi qui a pensé à moi pour ce rôle. Et du coup, Raouf m'a envoyé le scénario, ça m'a plu et voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et c'est vrai que du coup, Christophe m'a proposé de venir avec lui, de l'accompagner au Festival de Marrakech. Et du coup, je me suis dit, c'est aussi l'opportunité de rencontrer... Raouf, et voilà, et ce soir je fais le tapis rouge avec lui. Et tu as le temps de voir des films dans la journée? Non, en fait dans la journée on a beaucoup de rendez-vous, d'interviews, donc on voit les films du soir en général. Ah, bon, et tes impressions Hier soir on a vu Remember, on a vraiment adoré, on l'a trouvé très dur, mais c'était un beau film. On a versé notre larme à la fin, c'était chouette.